les grands chantiers de coopération franco-ivoirienne, qui sont nombreux, intenses et qui touchent des domaines multiples. Alors, il y a eu la visite du ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, il y a peu de temps. Il y a quelques jours, mon adjoint, Franck Griester, chargé du commerce extérieur, est venu là aussi. Et puis, aujourd'hui, il y avait un événement particulier qui était l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacksonville, qui a été un grand moment sur un dossier que nous avons porté ensemble, on peut le dire, et qui n'était pas évident au départ. Et je pense que c'est un aboutissement tout à fait exceptionnel et un outil majeur. Et j'ai eu l'occasion de dire au président Ouattara que la France sera au rendez-vous pour poursuivre la montée en puissance et l'internationalisation de cette Académie de lutte contre le terrorisme, afin d'avoir une culture commune de l'action contre le terrorisme, et que, parce que le message essentiel et les sujets que nous avons évoqués étaient essentiellement, au cours de notre entretien, les sujets liés au terrorisme.